bonjour à tous les amis, bienvenue, c'est Kefko du 54. Très heureux de revenir pour ces nouveaux lives en mode gameplay. Et au programme du Assassin's Creed Valhalla, épisode 8. Vous écoutez le C de Battle Arena Toshiden Mountain Rage Age Stage sur Sony PlayStation. Et oui, j'espère que vous allez bien, les amis. Vous allez bien, vous avez passé un bon mercredi. Et qu'on est prêt pour 2 heures de live dans Assassin's Creed Valhalla, épisode 20. Et oui, directement, voilà. Alors, Objective mode. Hier, pendant l'émission, nous avons éliminé une sorte d'horde. Il y avait la sangsue, la flèche et le big boss et le compas directement. Hop! Nickel con. Viens bébé, viens. Donc voilà. Aïe, aïe. Ça va, j'étais moins fatigué parce que j'ai bu un café long au travail. Un café court. Et le problème, c'est que quand je bois pas de café, au saté, je suis fatigué à fond. Voilà, je suis pas vraiment dans le travail. Donc voilà les amis. Allez, je vous montrer un petit. Je vais vous montrer quelqu'un, les amis. Quelqu'un. Viens ici, viens ici. Regardez les amis, le toutou, le toutou. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Regardez. Regardez le toutou, c'est lui qui va streamer aujourd'hui. C'est lui qui va streamer. Allez, il stream à ma place. Nous voilà. C'est mon Yunus. C'est mon Yunus. C'est mon Yunus, coucou. Coucou. Allez, descends. C'est lourd. Faut manger trop de gâteau, toi. Allez, suite de Assassin's Creed Valhalla, directement. Je suis Ivor, clan du Grand Corbeau, ami des lus, ami des lus, ami des rares, ami des rares, ami des rares. Je m'éclate un peu avec le chargement, ça fait plaisir. Voilà. Donc là, on s'est arrêté directement à la ville. On s'est arrêté ici. C'est parti. Suite. Mes berserkers. Je vais aimer le voir couiner, ce vieux. Mais ma foi, moins que si j'avais trouvé. Cela aurait véritablement scellé ma renommée. Ta renommée. On est 2 heures ensemble, les amis. Hein. 2 heures tous ensemble. N'ont pas connu un sort aussi clément que Burn Craig, ami de nous. La paix, c'est mieux, Iva. Qu'est devenu ton bellâtre de frère? Ah, frère. Nous nous sommes séparés. Wow. Tu bien. Ne peux que mieux te porter sans ce modèle de coquetterie. On va le suivre. Notre évêque des Orlas, les PNJ, hein, c'est vraiment quelque chose. Ces maisons du Christ, toujours dures et froides,
mais la chaleur y règne. Le dieu chrétien nous unit, le roi Rodrigue, le fils d'Orla et moi-même. C'est chez lui que nous continuerons la paix. Gloire de Proton ! Capitaine Ymir, explique notre position à l'évêque. Oui, majesté. Évêque d'Eorlaf, nous refusons d'entendre toute offre de paix tant que Goriad ne nous sera pas rendu. Le frère du roi... Le frère du roi est une bouse de vache couverte de mouches. Toi, je reconnais ton visage, ta puanteur. Ivar, celui qu'on appelle le sans-os. N'est-ce pas moi qui t'ai fait cette cicatrice? Ah, mais oui. Et j'ai bien l'intention de t'en laisser une plus grande, outre un purin, sur ton crâne de vieux rat. Arrêtez, tous les deux. Ivar a raison de te défier. Audrey, tu as inutilement sacrifié tes hommes dans cette guerre stérile. Ivar ne te doit pas le moindre respect. Ce diable est fou. De quel droit t'adresses-tu ainsi à mon mari? Allons, calmez-vous tous. Je ne demande que votre bonne foi. J'ai fait connaître mes exigences. Pas de paix entre nous avant la libération Bébé. De mon frère Goriad. Ma chienne. De pouvoir encore marcher. Il est tombé sur sa lame en tentant de nous fuir. Nous fuir. Je vais bientôt t'aider à choir sur la tienne. Du calme, calmez-vous. Il est de notre intérêt de conclure la paix. Notre intérêt à tous. Avant toute chose, mon frère. Avant toute chose, ta tête sur une pique. Ensuite, l'avorton sera libre. Mon époux, non! Assez! Vous êtes dans la maison de Dieu. Prenons quelques minutes pour nous ressaisir, voulez-vous? Eivor, je te prie. Je te connais peu, mais Cheolbert t'estime raisonnable. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi. Peut-être est-il trop tard. Je vois s'assembler les corbeaux de la guerre. Je détiens une belle somme en argent. Parle à ceux qui sont ici. Si l'argent peut faire pencher quelqu'un vers la paix, offre-le-lui. Ok, choisir qui recevra l'argent. Lui. Les pourparlers n'avancent pas. Je crains pour la paix. Ne t'en fais pas. Tu deviendras une. Eivor, mon ami. J'ai fait mon enquête, comme tu me l'as suggéré. As-tu pris une décision? As-tu remis l'argent à quelqu'un? L'argent est en de bonnes mains. Ton argent est dans les mains de la personne qui le voulait le plus. Prie ton Dieu qu'il serve à quelque chose. Audrey, je vois que tu te moques de moi. Je te défie en combat singulier. Ivar, non! Maintenant! Ivar le sans-os. Et sans échine, sans dents et sans tripes. Tu ne peux pas me tuer. C'est un dragon qui me tuera. On me l'a prévu. Et ton frère? Ta destinée le protège aussi? Dieu tout-puissant, je vais... Les mettre à l'abri, vite! Tuez le sans-os! Que cette chapelle soit rouge de son sang! Trop facile! Quelle plaisanterie! Bébé. Ah, ça, c'est de la diplomatie viking. Maintenant, ils savent qu'on est de vrais guerriers. Ivar, tu as anéanti tout espoir de paix. Les amis, je reviens. Ne te laisse pas faire vivre.
au creux entre deux coups de hache. Doux Jésus, c'est un massacre. Nous n'avons plus le choix désormais. Il va falloir partir l'arme à la main. Ah, ça te fera un bon exercice, petit. Seigneur, pardonne-nous. Reste près de moi, Gilbert. Tu surveilles mes arrières, je retirerai les couteaux des tiens. Grand Dieu. Reste ici. C'est le lieu le plus sûr, évêque. Aide-moi avec cette sacrée porte. Éliminer les soldats bretons à Quatford. Nounours. C'est la guerre. Thank you.
C'est une sacrée bataille, hein. Ce qui est fait n'a plus d'importance. Ce qui est fait est fait. Nous devons préparer la suite avant que les Bretons ne se regroupent. Ils vont se replier dans leur grand château, c'est certain. Il est quasiment imprenable. Alors on va les affamer, attaquer leur ravitaillement, les regarder implorer la mort. Seigneur, encore des combats, des morts et des réfugiés. C'est la seule solution, Déorlaf. Tu connais bien la région. Comment peut-on leur nuire? Ma foi, pour ce qui est du ravitaillement, ils entreposent des choses à l'avant-poste de Wenlockham, au sud de Bradford. Rodri a un autre moyen d'approvisionnement secret. Demande aux réfugiés sur la berge, ceux qui ont fui les villages occupés. Les Bretons de Rodri vont contre-attaquer bien avant nous. Oui, ils enverront Ynir et ses troupes. Ils s'entraînent à Westbury, à l'ouest de la tour en ruine. Tu n'as pas besoin de me tenir la main, Eivor. Je vais aller voir ce qui se passe à Westbury. Je connais tes méthodes de reconnaissance. Elles s'achètent toujours l'arme à la main. Je suis aussi constant que la marée. Je vais t'accompagner. Ne serait-ce que pour avoir un aperçu réel de notre situation. Je vous retrouverai tous les deux à Westbury. Après avoir fait quelques dégâts de mon côté. Une dernière chose. Nous aurons besoin d'un firme. Alors tâchez de libérer des prisonniers pour étoffer nos rangs. Lassitude guerrière. Quête terminée. Deux points de compétence. Plusieurs quêtes acceptées. Le sac de Wenlockham. Trouver l'avant-poste de Wenlockham. Et c'est par... Oh, ça a 800 mètres. Peut-être où les Bretons apportent leur ravitaillement. Sommes-nous tes amis, Danois? C'est en tout cas ce que je souhaite. Après des années de sang versé, de pillage et d'incendie, pardonne-nous de nous méfier d'un Danois. Ouais, les faits. En Rodri, nous avons un ennemi commun. Mon seul souhait est de le priver de ravitaillement, de le forcer à négocier et de mendier une trêve. Lorsque nous aurons la paix, les tiens et toi-même n'aurez plus à vivre dans la misère. Ce que tu dis est plein de bon sens. Très bien, Danois. Voilà ce que je sais. Les marchandises des Bretons passent par la carrière de Deathstone. Tu vois cette tour au sud? C'est ce qu'il reste de la porte des collines. La carrière de pierre est au-delà. Merci. Vestige de la porte des collines. Mais non.
avant-poste de Wellokan. L'avant-poste de Wellokan. Si je m'empare de la cargaison, cela affaiblira les protons qui voudront la paix. Qu'est-ce que c'est ? Venger Aperissuve. La mort a été vengée. Thank you.
fier de donner Olaf. Plus précieux que des marchandises. Je te rends la liberté. En échange, offre ta pique à ce comté. D'accord. Oh, chiotte. Mais putain, monte! Le sac de web. Le point de compétence. Ensuite, ligne de ravitaillement. Trouver la cuillère de... Okay. Oh, c'est juste là. C'est juste à côté. Thank you.
carrière de Dunstone remplie de chariots bretons. La carrière de Dunstone. Audrey sera plus en train de paix. Je crois. Encore deux, je crois, non? Je sais pas trop où se trouvent les deux autres. Thank you.
Je sais pas trop où ça se trouve les autres. Là après c'est plus rien. Il nous reste une. Il nous reste une un chariot à éliminer. Les sarcophages. Allez, avance. Bon, il faut trouver le dernier chariot, les amis. Par contre, le dernier, je sais pas trop où il est. Hein. Trouver. J'en ai peut-être loupé un. J'en ai peut-être loupé un.
Parfait. Cela devrait amener Audrey à la raison. Maintenant, rejoindre Westbury avant qu'Ivar ne crée d'autres troubles. Ligne de ravitaillement, quête terminée. Le chemin s'oriente vers la paix. Nouvelle quête. Ok. Ah, c'est ici. Yo! Mittel Fold. Alors, Wadorby est sur la route à l'ouest des vestiges de la porte des collines. Il va près de l'entrée nord-est de la de Westbury. On s'en retourne avec la map, hein. Thank you.
Ivar, Tjolbert. Ah, Eivor. Je disais à notre Atling que Thor était avec nous aujourd'hui. Notre victoire est assurée. Alors, que comptes-tu faire? Ce chien d'Inir commande ce hameau. Alors montrons à ces gens ce qui arrive quand un village se rallie aux Bretons. On en fait du petit bois, on incendie le tout et on tranche la gorge d'Inir. D'accord, mon garçon? Je vais me battre avec honneur, sans cruauté. Les égorgements, je te les laisse. D'Inir doit mourir. Notre but est la paix. Flamme et fumée sauront bien attiser le désir de paix de Rodri. Inir est un moindre souci. La paix, c'est pour les nourrissons. Mais, comme tu veux. Oh, mon sang s'échauffe. Dépêchons-nous et laissons derrière nous un sillage sanglant. Une approche discrète pourrait nous faire gagner du temps. Ah, je préfère le bruit et la fureur. Mais fais comme tu voudras. Entendu. Allons-y en force. Et faisons du petit bois de cet endroit. Allez, Tjolbert, allons nous battre. Laisse s'enfuir les villageois saxons, Ivar. Seuls les Bretons méritent notre colère. Thor est avec nous. Thank you.
Bon, je vous laisse me battre. Il est trop lent, Ivor. Putain. Allez. C'est chiant, c'est chiant. Sacré bataille, hein, depuis le début du live. Les amis, je viens chercher à boire. Je rends grâce pour la victoire. Il demande une pénitence pour avoir tué. Oh, Chiolbert, mon dieu est dans l'ennui. Rive plutôt, allez, on a gagné. Je n'y ai pris aucun plaisir, Ivar. Mon garçon, Eivor et moi sommes faits pour ça. Le chant des épées, le sang qui gicle, les os qui craquent et les dents qui volent. J'ai rien entendu. Et tu l'as testé, Ivar ? Avons-nous versé assez de sang, Ivar ? Il y a de quoi étancher la soif de Fenrir, non ? Pourquoi s'arrêter là ? Tiens, Albert, j'aimerais avoir ton avis sur tout ça. Tu es satisfait de notre victoire ? Je crois que oui. Mais j'aimerais connaître au plus vite les intentions de Rodri. Il verra les flammes
Il sera averti de la destruction de Winterfell. Ce sac à pulpe est entre seul un dragon peut le vaincre. Sac à pulpe. On va bientôt savoir ce qu'il en est. C'est la paix que nous voulons, Ivar. Pas la vengeance. Si tu es incapable de comprendre cela, rentre à Acton. Tu ne connais pas Rodri aussi bien que moi, Ivar. Tu n'as pas idée de sa sournoiserie. Assez parlé de tuerie. J'aimerais un moment de calme. Tu as besoin d'hydromel. Non, Ivar. De vrai calme. Une promenade en forêt, dans l'air pur, ou pêcher. Allez, qui veut pêcher avec moi? Pêcher? Tu veux une petite flaque chaude pour y tremper ton asticot? J'ai vu un petit étang près d'ici. Dieu. Alors, vous venez? Accordons-nous un instant afin de retrouver notre calme. C'est tout prêt. Allez pêcher avec... Oh, j'aime pas la pêche. Où est le défi? Ce n'est pas comme si le poisson risquait de me tuer. J'aime pas la pêche. Ici, ce sera parfait. Pêchons des anguilles. Et Orlaf adore la soupe d'ortie aux anguilles. Je ne pêcherai pas, moi. Mais vas-y. Oh, merde! Bien joué, Eivor. Une anguille. Il varie tout là-haut, lui. Il s'en fout de la pêche. Ça va, il pêche quand même. Ça a été plus long que de nettoyer ce village. Nous avons attrapé des anguilles. Elles devraient faire le régal de l'évêque. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Ah, étrange manière de fêter la victoire. Mais après tout, le Christ était un pêcheur d'âmes, n'est-ce pas? Salut à toi, évêque. Nous avons de quoi préparer une soupe succulente.
Je t'en remercie, Tjolbert. Mais j'ai le cœur lourd. Tant de maisons brûlées. La reconstruction prendra des années. Oui, mais tu aurais dû voir Tjolbert se battre. Il fera un Elderman redoutable, avec tripes et bourse. J'aurais préféré bonté et justice. Mais j'accepte le compliment. J'ai envoyé un message au Breton. Je prie pour que le cœur du roi Rodri s'ouvre de nouveau à la paix, malgré le meurtre de son frère. Tout a joué en notre faveur. Regarde-nous ensemble. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là, s'il dure moins long, 1h08, 1h09. Ivar a raison, nous n'en tenons pas encore la paix. Ivar n'a rien d'un diplomate. Les combats sont derrière nous, mais les discussions n'ont pas encore commencé. Nous devons prêter attention à qui assistera au pourparlers. Les prochaines étapes seront cruciales. Et après ce qui s'est passé à Quatford, je crois qu'il s'impose d'écarter Ivar. Écarter ? Après tout ce que j'ai fait ici, tu veux que je me fasse discret ? L'évêque a raison, Ivar. Tu as un cœur de guerrier, pas de négociateur. La peste, ami des loups. Je connais Rodri, et je sais de quel tour il est capable. Je t'aurais averti. Et si je lâche un vent, c'est pour souhaiter la bienvenue à ce chien. Tu as froissé son orgueil, Ivor. Si tu connais un onguent efficace, je t'en prie, donne-moi un peu. Son orgueil le rend difficile, et sa colère l'incite à se précipiter. Mais il n'est pas totalement mauvais. Je vais chasser pour lui un grand sanglier. Ensemble, nous le ferons rôtir en échangeant des histoires de combat. Cela devrait lui plaire. Évêque, nous devons nous préparer à la venue de Rodri. Rassemble nos hommes et établis ici un campement. Ok. On attend. J'ai pas cru que ça allait pas que ça allait être cassé. Ivar n'est pas ici. Ou mieux vaut que Rodrik ne soit pas là. Rodrik devait être ici. Nous avons retenu l'égorgeur dans sa tente. Nous nous inquiétons tous deux de nos compagnons assoiffés de combat. Semblerait-il. Un surcroît de prudence n'a jamais fait de mal. Je prends cela comme une bénédiction. Peut-être enfin allons-nous pouvoir mettre fin à cette guerre. Nos peuples ont assez souffert. Et que proposes-tu ? Nous allons retirer nos troupes sur la frontière ancestrale séparant nos contrées. Nous ne demandons que quelques jours pour rassembler nos biens et quitter la place de Costaume. En échange, vous vous engagez à faire cesser les hostilités dès cet instant. Ces termes sont généreux. Nous aurons une trêve. Parfait. Oui, sois satisfait, Rapi. Dieu te garde ainsi que ton roi, Dame Angara. Je vous salue tous. Vous avez mené une belle guerre. Espérons que cette paix soit éternelle. Je n'en reviens pas, Ivor. Les
Des années de meurtres et de tourments ont pris fin en ma clameur. Tu as emprunté un chemin ardu, évêque. Il faut annoncer la bonne nouvelle à Tjolbert. Lui diras-tu quand tu le verras? Je pars à sa recherche. Voilà. Oh, c'est juste là. On va juste lui parler. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va lui parler, on va s'arrêter là. Directement. Oh merde! On va y arriver. Parler au garde près de la tente de... Ok. Wow. Tu as vu Tjolbert? Ne prête pas attention aux allées et venues de la ligne. Demande à quelqu'un d'autre. Je cherche Tjolbert. Est-ce que tu l'as vu? La dernière fois que je l'ai vu, il a affûté des flèches. Si je voulais aller chasser, mais je n'étais pas d'humeur. Allô, gars, près de la tente. Salut à toi, Ivor. Est-ce que tu as vu Tjolbert? C'est mon frère qui l'a vu en dernier. Il est mort. Ah non, il dort. Westbury. Aussi ivre qu'un maquereau. Il a fêté la paix et a commencé tôt. Réveille-toi. Où est Tjolbert? Tjolbert. Aucun de vous n'a vu Tjolbert? Seulement lui, Dreng. Tu vas devoir attendre qu'il ait cuvé. Je vais attendre. Dans combien de temps sera-t-il en état de parler, d'après toi? Quelques heures, à mon avis. À moins que tu aies un autre moyen de le réveiller. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui, les amis. On va sauvegarder. Voilà. Sur ce portail, les amis, on se retrouve demain à compter de 17h pour l'épisode 21 de Assassin's Creed Valhalla. C'était un mode gameplay. Passez une bonne soirée, un bon appétit à tous. Et à demain pour de nouvelles aventures sur Twitch. Sur ce monde, passez une excellente soirée. À demain. C'était un mode gameplay.